Santé, comment s'y prendre pour donner le sein à votre bébé? Jusqu'à quel âge est-ce le bon pour le nourrisson? Les futures mamans se posent sûrement ces questions et trouveront des réponses grâce à la semaine de l'allaitement, la semaine mondiale organisée dans de nombreux hôpitaux. À la maternité Jeanne de Flandre, au CHR de Lille, des consultantes se mobilisent et reçoivent les futures mamans pour leur expliquer les bienfaits du lait maternel. Il stimule le système immunitaire du nourrisson et diminue la fréquence des infections ORL ou respiratoires. Je vous propose, eh bien, d'écouter les témoignages de ces mamans qui ont choisi l'allaitement et des propos recueillis par notre reporter Jean-Marc Courtin. C'est que bénéfique pour l'enfant, pour la maman. C'est un choix, c'est naturel. J'ai entendu les bienfaits de l'allaitement maternel et je voulais vraiment le meilleur pour mon bébé. C'est important pour les premiers mois. Je n'ai pas dit que je veux le faire jusqu'à 2 ans, quelque chose comme ça, mais pendant 6 mois, 7 mois, c'est important, je pense.